Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Aujourd'hui, 32e dossier OVNI. Hier, Jean-Claude Bourret, avec Monsieur M. Dieu, un chercheur en aéronomie au CNRS, nous avons essayé de tracer un portrait robot, si on peut dire, d'un humanoïde, d'un de ces humanoïdes que certains témoins prétendent avoir vu à côté d'un OVNI. Et vous nous avez promis, hier soir, lorsque nous nous sommes quittés, de nous donner plus de détails grâce à un biologiste qui peut-être pourrait tenter, lui, mais je n'en dis pas plus, Jean-Claude Bourret. En effet, Rémi Chauvin, qui est professeur de biologie à la Sorbonne, va tenter aujourd'hui d'imaginer s'il est possible ou non que des êtres puissent être très différents de nous, et surtout des êtres qui pourraient vivre, par exemple, dans un milieu qui serait toxique pour nous. Ah, mais attendez, c'est que nous en avons sur la Terre. Nous avons sur la Terre des êtres d'une biochimie très différente de l'homme. Vous savez, d'abord pour commencer, nous avons des larves de moustiques et d'autres insectes qui vivent dans l'eau des geysers à 65 degrés. Et ça, c'est quand même assez robuste comme température, n'est-ce pas? Vous avez des bactéries, des végétaux inférieurs, des sources sulfureuses qui métabolisent, qui font entrer dans leur métabolisme l'acide sulfurique, sécrètent l'acide sulfurique, c'est assez particulier également. Et vous avez également des larves de mouches qui vivent dans le pétrole. Non seulement elles vivent dans le pétrole, mais elles ne peuvent vivre que dans le pétrole. Elles ont dans leur intestin des bactéries qui hydrolysent les paraffines du pétrole et qui s'en nourrissent. Vous voyez, quand on parle de faire des protéines avec le pétrole, il y a longtemps que ces mouches-là le faisaient, n'est-ce pas ? Et tout dernièrement, c'est l'histoire étonnante du cacabecchia, on a trouvé un organisme élémentaire qui se trouvait dans les pissotières, pour ainsi dire, des mineurs du Pays de Galles. Ces braves mineurs vidaient leur vessie toujours auprès du même mur, et on a remarqué des proliférations assez bizarres, et on a trouvé un micro-organisme là-dedans. C'était un organisme que vous connaissez, il était fossile daté du Silurien. Or, il s'était maintenu ici, dans un milieu tout à fait particulier, parce qu'il a besoin d'ammoniac. Il ne peut survivre que lorsqu'il a une atmosphère très concentrée en ammoniac. C'est extrêmement curieux. Alors, vous voyez que même sur la Terre, nous avons des êtres dont la biochimie est, disons, particulière. Nous en avons d'autres, comme les rotifères, les petites bêtes, qui vivent dans la mousse desséchée des toits. Et alors, quand la mousse est desséchée, ben, ma foi, ils entrent en diapause, en quelque sorte. Ils se réduisent à un tout petit grumeau de substance sèche. On les jurerait morts, n'est-ce pas ? Eh bien, plusieurs chercheurs ont démontré que ces êtres peuvent être lyophilisés, c'est-à-dire qu'on les dessèche dans le vide carbonique à moins 60 degrés, n'est-ce pas ? On leur enlève toute leur eau. Et ensuite, on peut les plonger dans l'air liquide. Ce n'est pas très chaud, l'air liquide, vous savez. Et on peut les y conserver des mois. Ensuite, vous les prenez et vous les collez, enfin vous prenez ce qu'il en reste, une espèce de petit grumeau de substance qui n'a plus du tout l'air d'être vivante. Vous la mettez sur un buvard avec une goutte d'eau. Eh bien, au bout de très peu de temps, l'animal se regonfle et il se met à vaquer à ses occupations habituelles comme s'il n'était rien arrivé. Donc, nous tenons là le voyageur interstellaire typique. S'il était par exemple collé à une météorite, il pourrait sans doute se promener indéfiniment dans le froid sidéral. Ainsi donc, même sur la Terre, nous avons des exemples assez extravagants, convenez-en, de biochimie aberrante. Mais tenez, encore un exemple, c'est un peu autre chose, ça. Il y a un petit coléoptère qu'on appelle le braquin pistolet. Pourquoi un nom si bizarre ? Bien, c'est parce que quand on le prend, il lâche une sorte d'explosion avec une bouffée d'un gaz jaunâtre. Alors, depuis très peu de temps, on sait ce qui se passe. Dans la vésicule rectale de cet insecte, se sécrète de l'eau oxygénée, je dis bien de l'eau oxygénée concentrée. Et lorsque cet insecte est inquiété, il sécrète donc l'eau oxygénée, puis il injecte dans son eau oxygénée ce qu'on appelle une peroxydase, c'est-à-dire quelque chose qui décompose l'eau oxygénée d'une manière explosive. Et alors, à l'intérieur de la vésicule rectale, il y a alors une température de 110 degrés, une véritable explosion. Ainsi donc, il a fabriqué ni plus ni moins un mécanisme élémentaire de propulsion des fusées, car on peut se servir de ça pour propulser des fusées, la décomposition de l'oxygéné, n'est-ce pas ? Donc, je vous dis, n'allons pas chercher si loin, n'allons pas chercher si loin, même dans le monde des insectes, vous voyez réaliser des dispositifs que vous ne seriez jamais attendu à voir fonctionner.
Donc il ne serait pas absurde de voir arriver ou débarquer un jour sur la Terre des gens venus d'un autre système et qui nous ressembleraient peut-être comme des frères, ou alors qui auraient évolué dans un autre milieu. Eh bien, les deux cas sont possibles, les deux cas extrêmes, n'est-ce pas? Par exemple, restons sur la Terre hein, pour voir les possibilités qui auraient pu se réaliser. Les bonnes gens croient que l'intelligence a évolué dans une seule direction, qui est celle de l'homme. Ben, naturellement, c'est vrai, bien sûr, que sur la Terre, telle que nous la connaissons, telle qu'elle s'est développée, il y a l'homme qui a son énorme cerveau, n'est-ce pas, et qui vraiment paraît le prince des animaux vivants sur la planète. Mais si on y regarde de plus près, ça se complique. D'abord, vous savez qu'on mesure très souvent le développement cérébral par le poids du cerveau relativement au poids du corps. Oh, c'est un indice très grossier, je sais bien, mais enfin, c'est un indice tout de même. Eh bien, déjà, dans ce cas-là, quoique tous les animaux aient par rapport au poids de leur corps un cerveau bien plus léger que l'homme, il y a une exception, il y a le dauphin. Comprenez. Le dauphin a un cerveau aussi développé par rapport au poids de son corps que l'homme, n'est-ce pas? Et corrélativement, il y a des possibilités psychiques tout à fait extraordinaires. Malheureusement, on les connaît mal parce que les Américains ont pris en main la science de la delphinologie, comme on dit, et à cause vraisemblablement de ces applications militaires. Ils ont classé à peu près tout ce qu'on peut en savoir. On sait seulement que les dauphins peuvent détecter les nageurs de combat et peuvent poser des mines sur la coque des navires qui ne sont pas protégés par une certaine plaque métallique qu'ils ont appris à reconnaître, n'est-ce pas? Le reste, on ne le sait pas. Et on sait qu'ils ont un langage extrêmement compliqué et qu'on n'est pas arrivé jusqu'à présent à déchiffrer. Et puis, il y a d'autres cas. Dans des phylums, comme on dit autrement dit, pour ne pas paraître trop savant, dans des souches extrêmement éloignées des nôtres, comme chez les mollusques. Là, vous me direz, une huître ou une moule, ça n'est pas réputé pour la vigueur et la précision de leur intelligence. Mais il y a les pieuvres. Avec leur énorme cerveau, extrêmement développé, avec leurs appendices complexes dont ils savent se servir très bien, par exemple pour retirer un crabe d'un flacon, on l'a introduit pour le manger, et avec leurs organes d'essence, dont leurs yeux énormes, je ne sais pas si vous avez été regardé par une pieuvre, mais ce n'est pas rassurant, c'est pas rassurant du tout. Ces mollusques sont évidemment, bien sûr, très au-dessous de l'homme quant à l'intelligence, personne n'a jamais dit le contraire. Seulement, il n'est pas absurde d'imaginer, après tout, que dans une planète plus ou moins hypothétique, la chance qu'a eu l'homme, c'est de la science-fiction, bien entendu, mais enfin, imaginons, les pieuvres auraient pu l'avoir, cette chance, voyez-vous. Tout au moins, il n'y a rien d'intrinsèquement absurde là-dedans, dans l'état actuel de la science, encore une fois, n'est-ce pas? Il y a donc les dauphins qui auraient pu se développer, il y a les pieuvres, et puis il y a les oiseaux, qui n'ont pas de main, d'accord, mais ils ont avec leur bec une pince de précision avec laquelle ils font des tas de choses. Et depuis peu de temps, on sait que le cerveau des oiseaux est capable de performances qui, par certains côtés, sont égales à celles des chimpanzés, vous savez. Alors peut-être que les oiseaux, sur une planète hypothétique, restons dans la science-fiction, bien entendu, auraient eu leur chance. Donc, deux hypothèses, où les voyageurs hypothétiques seraient tout à fait semblables à l'homme, ce qui n'est pas du tout absurde ni impossible. Il y a peut-être une loi cachée qui veut que l'intelligence suprême ne puisse se développer que dans un corps humain. Ça, c'est une hypothèse un petit peu orgueilleuse, bien entendu. Et puis, il y a l'autre hypothèse, qui n'est ni plus probable ni plus improbable, c'est que d'autres phylums, d'autres souches qui n'ont pas eu leur chance sur la Terre aient eu leur chance sur d'autres planètes. Je ne peux pas trancher entre ces deux hypothèses, hautement hypothétiques. En répondant aux questions de Loge Boissonnade, le professeur Chauvin nous a raconté des choses assez extraordinaires, Jean-Claude Bourret. Et justement, en l'écoutant, je pensais que des écrivains comme Robert Merle avec Un animal doué de raison, Pierre Boulle avec La planète des singes, peut-être ces écrivains n'étaient pas loin de la réalité, tout au moins la réalité telle que Rémi Chauvin la décrit sur une autre planète. Et pourquoi pas peut-être sur notre propre planète? Pourquoi n'y aurait-il pas sur notre planète également, disons, une espèce animale que nous ne connaîtrions point et qui se serait développée au stade même qu'elle aurait dépassé l'homme? Est-ce que cela est possible? Est-ce une des hypothèses qui est retenue par certains? Entre autres, vous savez que dans certains livres, on dit que, par exemple, l'Atlantide, il y aurait là des humanoïdes et ce serait peut-être eux qui viendraient dans des ovnis. Est-ce que c'est une théorie qui est envisagée par les scientifiques? Par les scientifiques, ce serait beaucoup s'avancer. En tout cas, c'est une théorie qui est retenue par tous ceux qui s'occupent du problème des objets volants non identifiés. Tout simplement parce qu'en Amérique du Sud, on a des centaines et des centaines de témoignages de gens affirmant avoir vu des ovnis plonger dans la mer ou affirmant avoir vu des ovnis en ressortir.
ce qui donne évidemment lieu à toutes ces hypothèses laissant entrevoir la possibilité d'une base sous-marine qui serait soit une base permanente du genre Atlantide, soit une base provisoire d'extraterrestres venant sur Terre et se réfugiant sous les mers, puisque vous savez qu'on connaît très mal le fond des mers. Demain nous n'allons pas aborder ce sujet. Nous allons parler de quelque chose de très sérieux avec Monsieur Dutuis. Tout est sérieux dans cette émission, de toute façon. Bien sûr, non, mais enfin, je voulais dire un sujet grave, voilà, parce que quelquefois, on peut être sérieux et ne pas forcément être grave. On peut présenter ça avec une certaine légèreté, n'est-ce pas? Mais disons que demain, on va parler de la finalité de la vie, ce qui est quand même, moi, j'appelle quelque chose de très grave. Oui, la question que l'on peut se poser quand on voit les milliards d'étoiles qui nous entourent, c'est est-ce que la vie est un accident? Est-ce qu'il n'y a réellement que la Terre qui a réuni par un hasard fantastique les conditions qui ont permis l'éclosion de cette vie, ou est-ce que la finalité de la matière, c'est la vie? Autrement dit, est-ce qu'une étoile en se refroidissant devenant une planète, qui à son tour a une atmosphère, aboutit inéluctablement à la création de la vie? Eh bien, c'est ce que Jean-Michel Dutuis, paléontologue, chargé de recherche au CNRS, essaiera de dire demain. Demain, pas de panique, dossier OVNI.